Yes! Oh, yeah, j'ai plus de force. Ah! Ah! Imagine, il me reconnaît pas. Je fais quoi? J'ai plus l'impression. Bonjour. Je crois qu'il y a un Noah par ici. Ah, c'est moi. Tu vas bien? Bah oui, bien et vous? Ça va, tu me reconnais quand même? Oui. Bon, ça va le trajet? Ouais, nickel. Ça a été? T'étais au courant ou pas? Est-ce que c'était une vraie surprise? Ah ouais. Content que tu sois là, regarde, je t'ai ramené des petits cadeaux. Là, c'est la première partie, demain, il y en aura d'autres. Déjà, une petite gourde. Voilà, aussi gratté. Ça, c'est le maillot que j'aurai aussi demain, spécialement pour le record. Du coup, tu l'auras aussi. En exclusivité. Parfait. Nickel. Voilà, il y a mon nom derrière. Tout ça, on pourra le signer si tu veux demain et tout ça. Voilà, comme ça, tu seras équipé aussi pour faire du vélo. Merci. C'est juste pour te faire un petit coucou. Là, on va te laisser pour te reposer un petit peu. Nous, on va aller faire les repérages sur la tour. Et demain, il y aura aussi plusieurs télés, tout ça, qui s'intéressent un peu au projet. Donc, tu seras la star. C'est cool. Et on sert aussi quand même. Ah, oui. Ah ouais, ça s'inverse du coup. C'est moi qui ai des cadeaux maintenant, mais il fallait pas. Yeah, un Opinel, bah oui. Tu viens de Savoie, c'est ça? Ouais. Trop bien. Bah ouais. Merci beaucoup. Bah merci à vous. Est-ce qu'on peut faire un petit selfie? Bah bien sûr. À base. Demain 10h. Et je t'attends tout en haut. Hein. À plus. Salut, merci. Bah j'ai hâte de le voir demain. Et je lui ai donné rendez-vous demain pour qu'il puisse m'attendre tout en haut de la tour. Et voilà, il est reparti avec un maillot, sympa, donc voilà, trop cool la rencontre. Waouh, bon on va aller voir ça. C'est haut quand même, non? Parce que j'ai cru savoir qu'il allait avoir une partie sur des escaliers en extérieur. Et là, comme tu le vois, en fait, aujourd'hui il vient de neiger. Il pleut encore, il neige. Enfin bref, les conditions les plus horribles pour terminer le défi. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être à l'intérieur de la tour, voir comment vont être les escaliers. Parce que tu vois là, je le fais avec un VTT tout à fait ordinaire. La particularité, c'est qu'il a des grosses roues, c'est des roues en 29 pouces, c'est les roues qui les plus grosses possibles. Et pour monter dans des escaliers, c'est pas forcément, surtout des escaliers un peu ric-rac, tu vois, comme il va avoir là-bas certainement. C'est peut-être pas forcément le mieux, donc je voulais vraiment voir ça. Voilà, on va les repérer, on va aller voir ça, je te dirai ça tout à l'heure. Hein. Wow. Oh, l'intérieur a l'air énorme, c'est magnifique. On vient nous ouvrir, merci. Bah, je vois qu'il y a des escaliers déjà là, je pense que ça va être les premiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter directement dans les étages avec le vélo, faire des petits tests. Je pense que le défi, tu vois, on va le commencer vraiment ici. On va le commencer là et puis là, ben, il faudra essayer de passer le portique voilà, avec le vélo. Au moins, ça fera un point de départ si on peut. Voilà, je pense qu'on débutera le défi ici, comme ça on aura un vrai chrono. Même si c'est pas un record qui est officiel en mode Guinness. Sauf si quelqu'un veut essayer de battre mon record, hein, je vous invite à le battre après avec votre VTT. Mais en tout cas, je pense qu'on lancera un chrono ici. Et là, on a deux options. C'était soit de partir au fond des escaliers, soit on a ce premier escalier un petit peu en serpentin là, qui est super sympa pour commencer. Je pense qu'on commencera là. Moi, ma technique, en fait, c'est d'arriver avec mon vélo et d'être un petit peu en travers. Enfin, c'est ce que j'imaginais, tu vois, avoir la roue arrière ici et la roue avant ici. Ce qui fait que je me tourne un petit peu, je ne suis pas vraiment 100% dans la pente. Là, ce que je vois, c'est que c'est pas très large, tu vois. Et que en fait, il va falloir que je sois quand même sacrément raide dans toute la montée. J'imaginais pas ça comme ça, tu vois. Et là, bon, c'est une chance, mais pour moi, c'est plus un handicap. Les escaliers sont tout neufs. Ça veut dire peinture toute neuve. Et qui dit peinture toute neuve, dit peinture qui glisse. Encore une difficulté en plus. Ouais, bah je vais faire un essai sur ceux-là, là, tu vois. Pour le coup, je faisais une explication comme quoi c'était très serré. Là, c'est encore plus serré. Mais demain, il faudra que les pneus soient très secs et que le sol soit sec parce que si c'est un peu mouillé, c'est là où ça va. D'accord. Donc, je vais éviter de passer par la terrasse. Ouais, c'était l'option là de passer par la terrasse. Mais voilà. Après, ça rafraîchit, hein. Mais ouais. Ouais, en été, ça aurait été sympa, mais ça va être trempé. Ouais. Mettre mon casque. Du coup, alors ma technique, tu vois, ça reste quand même un VTT ordinaire. Ma petite technique, ça va quand même être de bloquer la suspension, tu vois, pour avoir un maximum de rigidité. Là, il y a un petit truc qui serait intéressant, c'est d'être les pneus légèrement, tu vois, dégonflés. Et comme ça, je vais vraiment pouvoir jouer sur le rebond de ma roue. En gros, c'est ça qui va m'aider, tu vois, à avoir la petite impulsion. Là, vu que je suis gonflé normalement, je vais dégonfler un peu. Ça vaut mieux être sous-gonflé. Là, il n'y aura pas de choc, mais au moins, ça rebondit. Et voilà, j'ai peut-être trop dégonflé. Alors, premier essai. Hop. Là, tu vois, j'ai un peu trop dégonflé. Il va falloir que je regonfle pour demain. Tu vois comment je suis déjà essoufflé là? Ça va être un sacré challenge. On va aller voir peut-être que c'est plus simple les autres escaliers. Petite phase de repos là. Là, on tourne à gauche. Et là, on prend l'ascenseur, non? C'est pas ça le truc? Ah non, j'ai pas le droit. Mince.
ça sera ouvert. Là, on arrive donc sur les escaliers que j'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai la chance, j'ai une petite gâchette, tu vois. Hop, je vais baisser ma selle au maximum. Là. Tac. Hop. Hop. Là, je me repose. Et là, ça enchaîne sur un autre étage. Et je vais me faire un temps intermédiaire. Je vais essayer, je vais enlever le masque là. J'en peux plus. On part du premier. On va se faire deux étages comme ça. Je vais y aller tranquille, comme si j'étais parti pour les 33 étages. On va se faire un temps intermédiaire, comme ça on aura une petite valeur sur combien je vais monter. 1. Souffler un peu. Bah voilà, on est au troisième, non? Bah écoute, ça allait très vite, oui, j'étais prêt à repartir. Combien de temps on a mis? 1 minute. 1 minute 02. Donc, sur deux étages, qui c'est qui est fort en maths? Donc 30 secondes en gros par étage. Bah écoute, ça serait rapide ça. 15 minutes du coup. Allez, si on part sur un 30 minutes, parce que là, je suis quand même allé assez fort au début. Moins d'une demi-heure, ça sera un bon temps franchement. Parce que là, je suis frais. Mais j'imagine bien que les temps de pause vont s'allonger de plus en plus. Que ma fatigue va être là. Je pense que j'aurai forcément des crampes. Que à certains endroits, je vais certainement laisser des petites bouteilles d'eau pour m'hydrater. J'ai peut-être une technique quand même, tu vois, pour gagner quelques marches. Je vais tenter un truc. C'est en arrivant sur ce palier-là, je pense que je peux prendre un petit peu d'élan et gruger les deux premières marches, tu vois, pour me fatiguer. Un petit peu moins au début. Et hop! Me jeter. Si à chaque étage, je peux sauter sur la 2 ou 3ème marche, multiplié par les 33 étages, ça sera toujours ça de gagner. Ça peut être une bonne stratégie. Autre ambiance, on arrive sur le toit. Ah, les fameux escaliers métalliques alors. En plus, tu vois, bon, je pense que demain, ça va pas sécher d'ici là. Donc là, on est en condition réelle. Escalier mouillé, hein. Hop. Hop. Ouais, si ça glisse là. Ok, ça va être galère là. Hop, hop. Hop. Ouais, là j'imagine ça après 30 étages. Oh la galère. Tout à l'heure j'avais vraiment de la place pour être vraiment décalé comme ça. Là tu vois, je suis bloqué, super raide. Bon, ce sera faisable. Hein. Ici ça a l'air plus simple, moins d'escalier. Ouais. Là c'est la dernière partie. Il y a même encore de la neige quoi sur les escaliers. Il va être chaud celui-là. Super raide avec mes grosses roues. Ouais. Oh là. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Hein. La grande difficulté que je m'impose encore en plus, ça va être de franchir tous ces étages sans poser le pied au sol. Le vrai VTT trial, c'est de pas poser le pied au sol. Donc l'idée, ça va être de jamais poser le pied au sol. Si toutefois, je pose le pied au sol comme j'ai pu le faire là dans les repérages, je repartirai juste du point où je suis tombé. Je me servirai pas de ce pied. La vue de malade. Pouah, franchement, ça claque. Vue sur toute la défense. On termine de nuit, on peut pas faire mieux. L'important maintenant, ça va être de se reposer demain. On va finir de bricoler un petit peu le vélo, regonfler les pneus. Je pense que le record, il va être très compliqué. Je pense qu'on se retrouve demain maintenant. Hein. Ça y est, c'est le moment, il faut y aller. Hein. Aurélien Fournoin, un sportif d'une trentaine d'années, de 31 ans. Il a gravi, écoutez bien, les 33 étages. Champion de VTT trial, Aurélien Fournoin, qui a escaladé aujourd'hui à vélo les 33 étages d'une tour de la défense. 768 marches gravies en 30 minutes. Il a rencontré Noah, 13 ans. Il est pour lever des fonds pour l'association Rêve, qui réalise les vœux d'enfants malades. Et dehors. Je commence à avoir mal sous les pieds là, de faire des sauts. Je commence à transpirer là. Toujours pas un pied par terre. Toujours pas un pied par terre. Hein. J'ai plus de force. Ah ah, j'ai même plus de force pour lever les bras, je suis désolé. 30 minutes. 33 étages, 30 minutes. Pile poil. Merci à tous. Merci. 30 minutes. Je suis rincé. Comment
Ça a commencé à devenir dur à partir du 20e étage. Comme j'annonçais, c'est vraiment les épaules qui ont le plus souffert. Il faut tirer le vélo à chaque fois. Les jambes ça va, mais vraiment les épaules, épuisant. Bien joué. Merci Noah. Je t'ai vu dans les étages en plus. Je me suis dit, il faut pas lâcher. Bravo. T'étais là. Merci à tous d'être venus en tout cas. Merci d'avoir réalisé le rêve de mon frère. Regardez. Quel âge elle a ta soeur ? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Je vais le garder. Est-ce que t'as envie de faire un petit tour avec mon VTT là ? Ouais ? Petite démonstration de Noah. Ça se mérite ça. Vas-y. Bon courage, t'as 33 étages à monter. Hein. J'ai ma doublure. Hein. En fait, je vous ai pas dit, mais c'est Noah qui l'a fait hein, cette montée. Hein. C'est pas moi. On regarde dans le même maillot. Petit stop-it. Ouais. Oh. Moi, ce que je vous propose, si vous avez aimé cet épisode, c'est qu'on retourne voir Noah chez lui. Et on va aller le coacher parce que je sais qu'il fait du VTT trial, il fait de la moto trial également. Donc je pense qu'on pourrait se faire un petit entraînement. Donc si ça vous plaît, marquez dans les commentaires. Ce défi là, c'était pour l'association Rêve. Il y a un lien qui est dans la description pour aider l'association d'une manière générale. Ils aident les enfants malades. Pour Noah, c'était de me rencontrer, de faire ce défi. Il y a énormément d'enfants qui ont besoin de vous. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien, participer. Vraiment, ça aidera énormément l'association. Merci à vous. Vraiment, cette vidéo, elle est pour toi, Noah. J'espère que tu la regarderas et tu la garderas bien dans tes fichiers. Et pour vous qui avez regardé cette vidéo, qui soutenez le projet, je vous ai fait des maillots supplémentaires, les mêmes que moi, là, avec les sponsors, la nouvelle déco, mon nom dans le dos. Je les signerai. On va faire un jeu concours sur Instagram. Donc maintenant, il suffit d'aller sur Instagram pour essayer de le gagner.